Nous connaissons aujourd'hui le taux d'échange. Le dollar, c'est 70 gouttes pour un dollar. Et nous connaissons qu'il y a un grand pays qui, c'est l'importation qu'il fait seulement. Ça montre dans quelle situation le peuple vit, dans quelle misère le peuple est. Et à partir de ça, on a une idée des taux d'inflation. L'on parle d'inflation pour le peuple, ça veut dire que c'est le prix. Comme n'a pas acheté, tu m'as mis diri, tu m'as mis maï moulin. Ça veut dire que ça a monté sur le marché. Et pendant ce temps, ça l'a nous réduit à zéro. Côté ma parlé là, tout le monde a oublié 6-7. Il a oublié qui ça a dit 6-7. 6-7, je n'ai pas de jambes de monde qui a dit par un forme tête tel ministre, il par un forme tête tel ministre. Il dit par un Jean l'État a agi. Nous te comprenons après 6-7, monsieur, tu as pris le chita pour te garder. Question éducation, qui je nous pourrais toucher? Nous songeons l'année passée, il y a l'argent qui est débloqué pour éducation, pour acheter, kit pour accompagner les parents, chèque ça, copie chèque ça, là, mais distribution, mais livraison kit ça, jusqu'à côté de ma parole avec nous, là, il n'y a pas jamais fait. Je dis, pendant ma parole là encore, il y a fait de 780 millions de gouttes qui sont débloquées. 780 millions de gouttes, ça, tout dit population, m'a veillé de près. Au niveau diplomatique, qui semble le ballon nègre là? La résolution de Lima, qui te condamné l'élection, qui a été trouvé, qui était antidémocratique, qui était venu au Venezuela. Le président de la République a été caché, il n'est pas de il est entré dans une véritable crise, nous disons son pays démocratique. Or, le monde entier condamné l'élection qui fait le Venezuela, comme on a pris. Et finalement, Haïti, comme étant indépendant qui croit dans la démocratie, nous pas de la résolution de Lima. Maintenant, puisque trois cas moun nan bloc la tessie résolution ça, sous prétexte que c'est un problème dans l'élection au Venezuela, yon pral tan nou a OEA, la li ven a OEA qui sa président fait, go crise Venezuela, les États-Unis d'Amérique, Haïti, la lose. Ça veut dire que Haïti te gen choix pour choisir entre l'histoire et la force politique, États-Unis gen veto, le Conseil de sécurité, en tant que puissance, ou te gen possibilité pour choisir. Venezuela ou dit son ami, ou te gen possibilité pour choisir. Finalement, Haïti n'a pas choisi ni l'un ni l'autre. Nous perdons les États-Unis par sa force politique et diplomatique. Et nous perdons Venezuela avec l'histoire que nous faisons, l'amitié que nous avons.